C'est sur la rue Yagoma et en territoire de Nyiragongo, pas pour lancer une attaque, mais plutôt pour rassurer la population et présenter officiellement une unité spéciale de défense et d'intervention ville de Goma, précise le major Ndike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire au Nord Kivu. Il s'agit d'une patrouille autorisée aérienne dissuasive qui s'inscrit dans les cadres, n'est-ce pas, de la présentation de l'unité, la brigade d'intervention de Goma, qui est là, qui sera là pour servir la population de Goma. Donc c'était très important que la population de Goma connaisse qu'elle a une unité d'intervention. Partout à Goma et en territoire de Nyiragongo, où ces convois des militaires FARDC en patrouille de dissuasion est passé, ce sont des ovations de la population. Nous sommes très émotionnés avec notre armée congolaise. Nous sommes très heureux de ce que l'armée prépare pour nous, la population de la ville de Goma. Pour les majors Ndike Kaiko, cette patrouille de dissuasion est une initiative du commandant 34e région militaire pour prouver que l'armée est prête à parer à toute éventualité. Voilà de quoi rassurer la population. C'est une patrouille imaginée par le commandant 34e région militaire, qui s'inscrit aussi dans le cadre d'une anticipation stratégique, parce qu'au regard des rumeurs, n'est-ce pas, qui courent et qui mettent à mal la quiétude de notre population, il était important que la population de Goma sache qu'elle a une unité, n'est-ce pas, d'intervention, hein, composée des vaillants militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, qui n'évoluera pas.